mesdames, mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, le retour, mesdames et messieurs, je suis là. Il faut qu'on finisse ce jeu de malheur. Alors, jeu de malheur n'est pas vraiment le mot. Oui, j'avais oublié que j'avais ça. Oui. Excusez-moi, je découvre des trucs sur mon propre PC. Alors, n'oubliez pas, mesdames et messieurs, je vais refaire l'annonce. Je vais sûrement la refaire jusqu'à la semaine prochaine. L'annonce, mesdames et messieurs, qui consiste tout simplement... Oh, pitié, mets pas le truc, s'il te plaît. Qui consiste tout simplement à mardi 26 ou mercredi 27 à faire un stream 24 heures afin de faire un peu d'Alien, parce qu'on a dit qu'on faisait du Alien à toutes les grandes fêtes. On finit le jeu Lego à 100%, dans tous les cas, il sera fini le mardi 27. Et on finit notre speedrun Minecraft également, qui sera fini du coup à ce moment-là. Et on va également finir, mesdames et messieurs, puisqu'il faut qu'on le fasse, Pokémon Violet. Juste vérifier que vous ayez le son. Ok, vous avez le son, il est juste un peu bas. Ok. Il est juste un peu bas. Si je pouvais le modifier, ça m'arrangerait. Voilà, on va le monter un petit peu. Ok. Ouais, donc du coup, dans tous les cas, mesdames et messieurs, le jeu sera du coup terminé dans le stream 24 heures, ainsi que Pokémon Violet, qui sera fini avec les deux DLC, bien évidemment. Ce même jour. Voilà. C'est le maximum qu'on se donne. Comme ça, on peut démarrer 2024 sur le Maraloc. Ça va être gros banger, hein. Vraiment vous êtes pas prêts. Le Maraloc, j'ai prévu des dingueries, mais vous êtes pas prêts. Notre challenge va aller très loin, il sera fini plus vite que possible. Même si Pokémon Réunion en chapitre 3 viendra couper ce challenge, mais c'est pas la mort, pas la mort du tout. C'est même avec grand plaisir. Oui, j'ai compris, le jeu il bug. On va te faire foutre. De finir le jeu Lego nous permettra de commencer notre prochain jeu pour 2024 également. Prochain jeu que beaucoup de gens attendent, ont attendu en tout cas. Et ok, toi je t'ai fait, donc c'est à toi. Ok, il nous manque pas grand chose, hein. Vache. Ah oui, il nous manque quand même deux trucs. Ok. Oh mais il nous manque deux mini-kits, ça va aller vite. On va prendre qui comme perso? On va prendre des persos de DLC un petit peu pour flex. Allez, c'est parti, mesdames et messieurs, on va prendre... La première ligne, j'utilise tout le temps aussi, hein. Docteur Vaudou, tiens. Ouais, il y a un nouveau jeu que beaucoup de gens ont attendu avant de le faire. Moi, j'ai vu des avis, genre, qui m'ont hypé de fou. Donc, on va faire ce prochain jeu, du coup, dès qu'on peut, quoi. Il faut finir ce jeu-là, d'abord. Donc, on cherche les petites flèches blanches, mesdames et messieurs, je le rappelle. Genre pour lui là la brique elle est là. Attends, on va se garer déjà. Mais ok. Oui, je triche, il y a un problème. Si des gens ont des problèmes, peut-être que je triche, j'en ai rien à foutre quand même. Oui, bon écoutez, c'est tout le monde aurait fait pareil. Hein. Ok. Ok, on tape B, mesdames et messieurs, on tape B. Oui, c'est facile, pas de problème. Parce qu'il faut qu'on trouve la deuxième brique. Il y en a deux ici, c'est ça? Ah
waouh! Oh, alors là, frérot. Deuxième qui est donc censé être, mesdames et messieurs. Ici. Je le vois la mini-kit, hein. je vois l'idée, mais pour ouvrir le truc, mais comment je peux ouvrir le panneau, quoi, c'est ça l'idée, quoi. Tellement chaud. Il n'y a rien d'instinctif là. Hein. Tantôt tous les trucs qui sortent un peu de l'ordinaire, on va dire. Ok, ça c'est la sauvegarde. Je cherche pas à sauvegarder. Il y a un loquet. Mesdames et messieurs, sauvegarder c'est important. Prends ça mon pote. Peut-être qu'il y a un truc à faire à base de... À base de... Comment ça s'appelle? À base de... J'ai plus le mot, ça va me venir. De trucs d'hydra, vous voyez. Vous voyez peut-être pas, mais ne vous inquiétez pas, c'est logique pour moi.
Il a tiré trois flèches dans le plafond, mesdames et messieurs. Pas. Non, le jeu est bugué, je vous jure. Attendez, il y a peut-être un monde là. Yes. Attends, mais l'autre, j'aurais dû le faire, ça veut dire. Non, arrête, tu te fous de ma gueule. Oh, le jeu est fou de guerre. Oh, vous l'avez vu ici, vous avez vu que le jeu était bugué. Non, le jeu est full bugué, je l'avais fait sur l'autre, mesdames et messieurs. Tada! Hi Hydra! Est-ce qu'on peut ne pas dire de mensonge et dire que, mesdames et messieurs, Hydra est plus stylé que le Shield? Parce que Hydra a un logo plus stylé. Et bien sûr, je ne parle pas de leur idéologie, juste du style un petit peu qu'ils ont. Est-ce qu'on peut dire que les méchants en général dans les fictions sont plus stylés que les mecs gentils? Est-ce que vous avez retenu Noir et Blanc pour Champion d'Arène ou pour Gettys en fait? Voilà. Vous pouvez me dire pour N, mais N à la base a commencé par être un méchant manipulé quoi. Donc tu dis Infinity War? Personne n'a retenu les Avengers, tout le monde a retenu Thanos. C'est ça la vérité, les amis. C'est que les méchants ont plus de flow que les gentils. Après, par définition, un méchant doit être charismatique, quoi, selon moi, mais bon. Sauf Peter Pettigrew, c'est encore une exception à la règle, quoi. Alors, on a fait celle-là à 100%, n'est-ce pas? Exactement, il manque donc celle-là. Vraiment décevant en plus ce DLC. C'est parti pour le DLC le plus décevant de l'histoire de l'humanité, mesdames et messieurs. Je dis ça pour quelle raison? Parce qu'ils n'ont pas du tout respecté ce qu'on aurait pu attendre de la part d'un DLC. Voilà. Salut, moi c'est Carole. N'oubliez pas que dans ce DLC, ils ont failli nous dire... ils ont failli nous dire « Ah, les gars, il y a Kang dans le truc !» Pas du tout. C'est faux. C'est un big mensonge. Bon, faut juste qu'on suive les traits du coup, hein. Easy, hein. Un sur cinq.
Voilà. En fait, faut juste chercher, chercher Stanley, voir où il est. Dès qu'on voit ou qu'on entend un Stanley, on bouge. Et à part ça, on est bon. Hein. Ok, on l'a. Mesdames et messieurs, ça va très très vite qui se passe, mesdames et messieurs, là. 18h déjà, putain. Ouais, on est bon dans l'autre timing, là, j'y pense. Attendez, on est méga bon. On pourra peut-être même faire un peu plus de niveau. On peut encore en faire un après. Ok, on est bon. Excellent. Même. Ok. Oh merde, on peut faire un peu plus puissant. Ah. Bon, on n'a pas entendu ou vu de Stanley, je suppose que c'est une bonne chose. Battre ce méchant. Stanley doit être dans le truc d'après, je pense. Ouais, je crois que le prochain niveau, je crois que c'est un mode libre. Enfin, c'est un monde libre, ça doit être genre la ferme des Barton, je crois. Comme ça. Vous voyez que ça va être très long, quoi. Enfin, ça va pas être exaltant non plus, quoi. Je vous préviens, quoi. Oh, vous entendu? Vous entendu, mesdames et messieurs? Oh putain, m'a enchaîné! Ok, Stanley est là, mesdames et messieurs. Ok, premier boss battu. Voilà qui devrait. Ça va tellement vite.
On va monter au 70% aujourd'hui, mesdames et messieurs. Bon. Écoutez, il reste encore quelques trucs à faire, certes, mais ça va se faire tout seul. Là, faut littéralement suivre les flèches. Hein, boss Gunhog. La blague sur les cris, vous m'en voulez encore si je vous dis qu'ils ont crié ou pas? C'est juste pour savoir les formes de cris. Ils nous font genre, oh mais Carole ne peut pas voler. Oui, bah j'ai changé de partout, du coup elle vole la mienne. C'est con en vrai ça. Mesdames et messieurs, sommes au 10 sur 10, félicitations. Tout est bon, on se casse. Ça me fume quand ça va tellement vite les niveaux DLC. Tu trouves Stanley, après tu suis les flèches blanches. Ouais. Désolé que je vous dise. On a atteint, je pense, 70% en vrai. 70 piles. Allez, on va voir ce que c'est la zone d'après. Je crois que la zone d'après, c'est directement la ferme de Barton, en vrai. Alors, nous avons fait ce point. Ce point-là, on a fait tout ce qu'il y avait autour. Ce point-là, on se le garde pour la fin. Donc ça veut dire ce point-là et donc la ferme de Barton. 8 briques dorées, un Stanley, 2 véhicules et, 4 et quelques personnages. J'ai pas lu autant de vieux combien il y en avait, je vais dire 4, mais il y en avait plus que 4, je crois. Oh, ça a l'air chiant, ça. Mesdames et messieurs, bienvenue à la ferme des Barton. Oh, le devil dinosaure, là. Mais je comprends pas tout, mais on dit qu'il faut faire comme ça en vrai. Ah mais je suis un connard! Ok, bon, je vais pas vous mentir, ça va être très vite les briques dorées. Ah,
sais tellement plus qui c'est qui y va que on va mettre un peu au pif, hein. Je crois que ce cristal elle le fait, je crois. Je sais jamais qui c'est qui fait cette merde. Je comprends pas ce que c'est horrible. Enfin, magicien, Théo Strange. Bah moi en vrai. Ok, prochaine brique dorée. On a 3 briques dorées, on en a une ici. Ok. Mesdames et messieurs, je sais pas dans quoi on s'embarque là, mais... Ça avance bien, hein. On avance très très vite là. Hein. Ok, il y en a une qui est dedans évidemment. Hein. Extrêmement vite cette zone, j'ai l'impression. En vrai, ça peut aller très vite comme ça peut aller très lentement, mais elle est plus petite que Washington, elle est plus petite que Manhattan. Manhattan, on a peut-être passé. Oh putain, il y en a un qui est dedans. Manhattan a passé du temps parce qu'elle était pleine cette merde, mais là, vous inquiétez pas qu'elle va être bien plus vide. Ah ouais, ok. Là, on a celle qui est là, juste là de l'autre côté, et on en avoir une ici du coup. Cher ami insupportable. Ok. Petit temps de latence là, parce que c'est stylé. Alors que c'est pas du tout stylé, temps de latence, mais c'est pas grave. Bon, ça c'est fait. Et après, il y a une brique dorée dedans. On va faire tout ce qu'on peut. Mais je vous assure pas une promesse de. Oh. Ok. Cinq sur six, il en manque plus qu'une. Ok. Ok, bon, pas mal.
Juste le coffre. Tu le sors, ça te sort la brique dorée, quoi. Parlez, hein. On est chez Okai quand même, hein. C'est la ferme des Barton. Sauf ces casse-têtes super marrants, évidemment. Bon, mesdames et messieurs, nous avons quasiment toutes les briques dorées de la zone, hein, je crois. C'est pas presque, on a toutes les briques dorées de la zone, mesdames et messieurs. Il est quelle heure? 16? En vrai, vous savez que si on sauve Stanley, ici... Faut utiliser des poules. Un Stanley de plus, mesdames et messieurs. On a une course en haut, on va la faire avec un personnage qui vole. Scarlet Witch ne vole pas, Reptile tu voles. Allez, c'est parti. Tellement pas prêt pour le banger que je vous propose là. Là vous kiffez un petit peu là. Hein. Excusez-moi, faut bien j'anime comme je peux. Je rappelle que juste ça peut-être pas fini à 100%. Hein. Je rappelle que si le bug de la brique dorée persiste, on est niqué. Hein. Sur la fin, là. Ok, on va prendre l'high speed. Qui est ici. On va aller faire notre d'autres courses qui étaient ici. C'est parti, mesdames et messieurs. Et voilà, mesdames et messieurs, nous avons débloqué tous les objets, tous les véhicules de la zone, il ne manque que des personnages. Ça va vite, hein. Déjà 19, en vrai, je vais vous laisser là sur ce jeu-là, on va aller sur Pokémon Violet, tranquillement.
On va juste acheter tous les véhicules, je crois qu'ils sont pas tous achetés. Ok. Ok, ok. Du coup, il nous manquera quelques personnages à faire ici, mesdames et messieurs. Je crois qu'ils sont au nombre de 10, du coup. Et puis, voilà. Hein. Bon, bah... Bien avancé, mesdames et messieurs. 71%. On n'a pas avancé énormément, mais... Score de la zone. Oh, on peut voir les scores de la zone. C'est le feu. 8 sur 8, 2 sur 2, 1 sur 1. Il nous en manque 10. 10 personnages. Donc, mesdames et messieurs, je vous propose... de continuer ceci dans la semaine. En vrai, je sais pas vraiment de... C'est Dracofeu. Ah, le reptile. Ouais, ouais. Je vois la ressemblance, mais... Si tu me dis ça, je vais plus jamais le jouer, reptile. Tu connais. Du coup, ouais, je... La prochaine fois, je sais pas quand est-ce qu'il va avoir eu le prochain stream. Lundi, il faudrait que je commence Obi-Wan, la série, pour les Apple Awards de Star Wars, que je dois tourner. Et j'ai pas encore fini Star Wars, je vais finir Solo ce soir. Donc lundi, il faudrait que je commence Obi-Wan, pour pas être trop à la bourre. Ok, je vous tiens au courant pour les prochains streams. Je vous tiens au courant. En plus, je fais le dérochage de Pokémon Réunion. J'ai déroché le 3e épisode, et j'en ai 13 à vous sortir avant mi-janvier, c'est un peu chaud. Donc il va falloir que je me bouge le cul aussi. Du coup, petite pause et on se retrouve sur Pokémon Violet, mesdames et messieurs, pour faire la fameuse aventure à Paldea. Reprise de début, mais sans regret.